La finale du 60 mètres, messieurs, la finale avec Simone Colli et Vicente De Lima qui seront peut-être, on va dire, les favoris. Mais nous, on va regarder le couloir numéro 2 de Christophe Lemaitre. Le voici, Christophe Lemaitre, qui nous a enthousiasmé lors de la série avec un chrono de 6,64. Et il a déjà tout Bercy, il a conquis Bercy déjà. Christophe Lemaitre qui sera au couloir numéro 2. Vicente De Lima sera au couloir numéro 3. Alors que José Carlos Moreira, l'autre Brésilien, est au couloir numéro 1. Je vais y arriver. Simone Colio 4. Peter Emeliese est le Nigérian. Jeune Nigérian au 5. Et Demi Omolé au 6. Et ce qui est épatant, c'est de voir Christophe Lemaitre qui n'a pas du tout, alors pas du tout, les gabarits d'un coureur de 60 mètres en salle, qui est un coureur de 200 mètres. Et on voit les gabarits à côté de lui qui sont vraiment des boules de muscles. D'ailleurs, comme José Carlos Moreira qu'on voit ici. Exactement. Plus petit, plus nerveux, plus. Qui sort plus fort des blocs, évidemment. Et alors, lui, il est là, tout fin, tout grand. Et à noter que les deux vainqueurs de série ont signé le même chrono, hein, 6,62. Bah, il fait un peu penser à Renaud Lavillenie pour la perche. Hein. C'est l'équivalent sur le 60 mètres. Deux petits gabarits, mais qui s'en sortent avec d'autres armes, d'autres arguments. Non, moi, ce qui m'a vraiment plu chez Christophe Lemaitre, c'est le fait qu'on est quand même dans une compétition où il n'y a pas le droit au faux départ. Et que effectivement, vu son gabarit, il est quand même moins bon au départ que des sprinteurs qui ont des petits leviers, quoi. Mais ça ne l'a pas déstabilisé. Il a pris sa chance, il y allait à fond. Et ça, c'est la marque des grands, quoi. C'est vraiment bien ce qu'il a fait. Mais allez, on va retourner aux 60 mètres parce que là, il y a pas mal d'émotions. Mais au cœur, on va le revoir parce qu'il va tenter, évidemment. Alors, est-ce qu'il va aller à 6,07 ou alors est-ce qu'il va carrément tenter le record du monde? On saura ça tout à l'heure. Et en tout cas, il a le point serré, il est content de passer 6 mètres. Ça, c'est au bord de la piste. Et faux départ. Je pense que c'est Méliézé à sembler nerveux. Là, est-ce qu'il va être sauvé encore avec par le carton en vert? Est-ce qu'on va nous servir un carton Simone Colio qui bouge. Colio, déjà tout à l'heure, on va dire qu'il a frisé l'élimination. Est-ce que là, on va avoir la même mansuétude en finale? Et il va le tenter. Il faut savoir qu'il va le tenter tout à l'heure. Il va tenter, il a demandé Steven Hooker de battre le record du monde. Enfin, en tout cas, la barre de la perche est placée à 6,15 m. 6,16 m. 6,16 m, oui, voilà. 6,16 m, vous le voyez. Et ça fait haut. Quand Jean-Jacques Msalem pourra nous proposer l'image de la hauteur. Ça fait très très haut hein, sur et ce perchoir, 6,16 m. Et c'est intelligent de sa part, il fait un très gros saut à 6 mètres, il sent qu'il a le potentiel peut-être plus que jamais, plutôt que de se fatiguer. Regardez Jean, 7. Regardez, ben, 6,16 m, ça fait haut. Tenter directement 6,16 m, il le sent peut-être plus que la semaine dernière. Et il l'a déjà tenté deux fois, regardez cette image, elle est magnifique, ça fait quand même haut. Parce que, allez, c'est vrai que ça fait haut 5,70, 5,80, mais là on sent une différence, parce qu'il y a quand même... Par rapport à tout à l'heure, bon, 16 cm d'un coup, c'est beaucoup. Beaucoup pour un saut à la perche. Et finalement, c'est Emeliese qui a été... finalement, le 60 mètres, pour l'instant, est un petit peu mis à part avec ce phénomène Steven Hooker. Mais il y a quand même une victoire à aller chercher ce soir à Bercy. Et Christophe Lemaitre, il a l'air d'avoir du cran. Couleur numéro 2. Il a pris un mauvais départ. Il a pris un mauvais départ. Il faut dire que ça a été explosif à côté de lui avec le Brésilien José Carlos Moreira qui a volé sur la piste. 6,53 le chrono de José Carlos Moreira. Il peut bomber le torse. Il avait signé sa meilleure perf à Gand, 6,59. 6,53. Bravo, il est à 2 centièmes. 52, c'est ramené à 52. Voilà, 1 centième de la perf de Michael Rogers, l'américain. Deuxième perf mondiale de l'année. Voilà, deuxième perf mondiale de l'année. Vicente De Lima, regarde, sur un 60 mètres, il est à 9 dixièmes, son compatriote, c'est énorme. Je serais curieux de voir le temps de réaction. Regardez Lemaitre là qui a un peu de mal sur la phase d'accélération secondaire entre le 10 mètres et le 30 mètres, mais qui finit bien, il finit plus vite que Colio et De Lima, et qui va confirmer en fait son chrono. Ouais, mais quand vous avez deux bombes à côté comme ça qui explosent des starts, c'est vrai que pour Christophe Lemaitre, il a fallu rester dans sa technique, rester dans sa course pour ne pas se désunir. 65, et voilà, 6,65, et voilà. Super. Et ouais, il y a tel
différence entre José Carlos Moreira et les autres qu'on avait presque occulté le super créneau de Christophe Lemaitre parce qu'il est encore un centième seulement plus lent que celui de la série. Bref, il a battu deux fois ce soir quasiment son record. Bravo, bah bravo. 6,83 à 6,65, c'est une bonne sortie. Hein. Voilà, exactement. Une excellente sortie de Christophe Lemaitre. Il disait tout à l'heure, il voulait faire une finale, il l'a faite et il l'a bien fait. Mais alors, cet homme, José Carlos Moreira, signe quand même la deuxième perf mondiale de l'année. Un centième de Michael Rogers, l'Américain. Ouais, on n'a pas son temps de réaction, mais on serait curieux parce qu'il est parti, mais vraiment super bien. Et il y a Christophe Lemaitre au micro. Alors Frédéric Lemaitre, 6,65 en finale, 6,64. C'est quand même un record de France junior et une belle performance. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est un record de France. Cette saison, je le visais, le record de France junior. C'était ce que je voulais faire. Mais là, maintenant, je suis un peu déçu de ma finale. 6,65. Je pensais faire Müller pour une finale tel le mythique de Bercy. Mais bon, tant pis, ce sera pour une prochaine fois le meilleur chrono, je crois. Enfin, le meilleur final. Pas un super départ, mais c'est quand même une superbe ambiance de vivre ça ici à Bercy. Ah ouais, franchement, j'étais trop. Au début, je voulais venir parce que je savais qu'il y a vraiment une grosse ambiance. Parce que j'ai déjà été à Bercy dans le public. Et franchement, j'adore cette ambiance comme ça. Franchement, s'il y avait des compètes plus souvent avec telle ambiance, ça motiverait plus les gens à courir, je pense. Merci beaucoup, Christophe.